Wesh. Wesh. Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis désolée si je tremble, c'est parce que je tiens l'appareil photo avec ma main droite et qu'il est un peu lourd. Donc on se retrouve pour un vlog, pour que vous voyez qu'est-ce que je fais dans mon week-end, comment je révise, combien de temps je révise, comment je répartis mes heures, etc. Donc vous allez tout voir, en fait vous allez me suivre pendant un week-end. Donc il faut savoir que ce week-end je suis chez mes parents, c'est pour ça que vous voyez un décor qui n'est pas mon studio. Alors première chose, je me suis réveillée, il était 10h12, donc petite grasse matinée ce matin, parce qu'on en avait vraiment besoin. Ça fait 2 semaines en fait qu'on fait pas de grasse mat et que tous les jours on se lève à 8h max. Ça piquait un peu même les dimanches et tout, donc là fallait qu'on fasse un break. Notre corps il nous a dit les gars calmez-vous, faut dormir dans la nuit. Donc là je vais vous laisser, je vais aller boire mon café, chose très importante du matin, dehors parce qu'il fait beau. Les gars, c'est pour vous dire qu'il est 11h20, donc on se retrouve après que je vous ai fait l'intro, et au final on en est toujours au même stade, stade du café. Voilà, ce matin on prend notre temps. Non, en vrai de vrai, on prend notre temps parce que on s'est amusé avec les chiens, enfin en tout cas mon copain s'est amusé un peu avec les chiens, moi j'ai parlé un peu avec mon père, et vu qu'on les voit pas forcément souvent, on profite. Du coup voilà, donc je pense qu'après on va préparer à manger, on va manger et cet après-midi on va commencer à taffer parce que lui aussi il a du taf, et donc du coup faut qu'on avance. Ça y est, on a fini de manger, du coup on va attaquer. Ah du coup là ça filme là? Ouais ça filme. Ah, donc là c'est en vlog. Ouais. Vous aimez le chocolat? Du coup là je vais commencer par lire mes fiches et juste après je vais vous tourner une vidéo en même temps que ce vlog. Ça va être donc une vidéo, vous verrez en fait. Je vais faire un peu plus tard donc tout ce qui est ma fiche méthodologique pour tout ce qui est dissertation, cas pratique et fiche de jurisprudence. Donc on se retrouve, il est... Excusez-moi si vous entendez le bruit, c'est le nouveau chien de mes parents qui aboie comme ça. Donc là il est 16h11, on se retrouve, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc j'ai lu mes fiches de droit des obligations en entier, donc j'ai essayé un peu de commencer à apprendre le cours. Donc je me suis répété plusieurs notions dans ma tête, etc. Également on a beaucoup parlé avec mon copain, on a beaucoup parlé avec mon père, donc on a perdu un peu de temps. C'est pour ça que j'ai forcément fait grand chose depuis les 16h. Donc là je pense que je vais m'activer un peu et je vais faire du coup la vidéo que je devais vous faire. Bon les gars, là il est bientôt 18h. Moi je suis sur ma fiche de méthodo encore. Et lui il est sur ses cours. Bon les gars, il me reste genre une dizaine de pages et après j'ai terminé. Mais là on va faire une pause tranquillement dans la nature. On a fini la pause, donc là on va reprendre. Donc monsieur a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la pause, bébé? On a parlé. Ouais. Et on a pris des photos. Ouais. Et je lui ai expliqué comment ça marchait un code. Civil. Oh, trop de zoom, trop de zoom. Hello les gars, donc aujourd'hui on est dimanche. Il est, je pense, 10h passé. Je pense, oui. Moi je pense qu'il devait être 9h55, un truc comme ça. Lui il s'est réveillé plus tôt que moi. Il s'est réveillé à 8h. Et moi je me suis réveillée à 9h40. Du coup voilà, je viens de prendre ma douche et là on va aller boire un petit café pour se réveiller tranquillement parce qu'on a des sales têtes. Voilà. On va manger un bon poulet avec des bonnes patates aussi. Wesh. Mais comment tu découpes le poulet? T'as une pince? Non mais c'est mieux de couper au couteau, frère. Donne-moi un couteau, moi je vais pas couper à la pince. Je crois que c'est nous un truc. C'est un poulet, wesh. Ah, bon, on va le laisser. Pourquoi il faut une pince en fait? Bon, du coup, là il est 13h.
coup là il est 13h, on a fini de manger et là on a tout préparé les affaires parce qu'on va partir chez mes parents. On va rentrer au petit studio, voilà, parce que demain on a cours. Donc du coup il faut rentrer. Donc là il est 15h30, on vient d'arriver à l'appart, on est en train de tout ranger. Donc on va tout ranger, voilà, parce que c'est un peu le bordel, on va pas tout laisser ça traîner. Et ensuite on va se caler et on va regarder une vidéo tranquillement puisqu'on est quand même dimanche, donc on va rester un peu tranquille. Et après normalement je pense on va taffer parce qu'on a des trucs à finir qu'on n'avait pas fini hier. Donc voilà. J'étais en train de checker mon Insta et en même temps en train de faire des pancakes parce que souvent on s'est dit qu'on allait manger pancakes parce qu'on n'avait pas trop faim. Et monsieur est en train de regarder la télé, c'est pour ça que vous entendez des bruits de fond. Donc sur ce les gars, je vais arrêter ce vlog là parce que après ben, on va aller se coucher et tout, on va pas faire grand chose. Donc j'espère que ce petit week-end avec moi et du coup avec nous vous aura plu. Faites gros bisous, ça se voit, je suis crevée.